bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour la 14e partie de mes jeux les plus perchés. Bon, faut dire que ce sont les jeux peut-être les plus nombreux dans ma collection. On va commencer par celui-ci, l'oracle chemin de vie de Nathalie Bastian. Et je pense qu'il est encore disponible via son site. C'est un oracle qui est pas récent. C'est un oracle que j'ai depuis déjà un bon moment. Il est assez rare. Il y a un petit guidebook comme ceci. Et si vous voulez connaître un petit peu l'histoire de cet oracle, enfin une histoire sympathique sur cet oracle, je vous renvoie vers la chaîne de Nat, Angel Teina, qui n'est pas Nathalie Bastian, n'est-ce pas, mais qui crée aussi des oracles. Et donc, elle a découvert récemment qui était vraiment Nathalie Bastian. Elle l'a rencontrée et elle explique ça dans une vidéo dans laquelle elle présente le jeu. Donc, le petit guidebook, il est tout en couleur. C'est un jeu très, très, très spirituel. Voici le dos. Et voici le genre de cartes. Donc, il y a des cartes qui se ressemblent très, très fort parce que... il est basé notamment sur les chakras et vous avez chaque fois en rapport avec les éléments, vous voyez, avec la roue d'énergie équilibrée et puis la roue d'énergie déséquilibrée. Et donc toutes ces cartes-là se ressemblent, vous avez juste vous avez les petits cercles qui ne sont pas les mêmes, vous voyez, donc ils ont une couleur différente selon l'élément et ils sont soit remplis, soit vides. Mais tout est expliqué dans le petit guidebook. Donc, ces cartes-là, elles se ressemblent très fort. Et puis, il y a toute une autre série de cartes où on a là, par contre, une illustration différente par carte et qui sont très, très, très belles, je trouve. Ce sont des illustrations très, très vibrantes. Les couleurs sont vibrantes, mais pas que. Je trouve que... le dessin en lui-même est extrêmement vibrant. Donc voilà. Et je pense que Nat de la chaîne Angel Taina a rencontré cette dame qui tient une boutique donc dans le sud. Et elle le vendait. Donc je pense que vous pouvez encore vous le procurer via le site de Nathalie Bastian. Je vais vous montrer, je pense qu'il est là. Donc centre-nathalie.fr. Et je pense que vous devez encore, parce que si elle le vend en boutique, je suppose qu'elle le vend toujours sur le site également. Ensuite, j'ai l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, conseil pour vivre une vie unique et authentique. Et ce jeu, je l'ai depuis très longtemps. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Il faut vraiment, 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 vraiment que je le ressorte. Parce qu'au début où je l'ai acheté, je l'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup ce que fait Alana Fairchild, même si ses messages sont très, très longs. Donc, voici le guidebook. Donc, je vous montre. Hein. Voilà tout ce que vous avez pour une carte. Hein. Et encore le processus de guérison. Vous voyez, une page, deux pages. Vous avez quasiment trois pages à chaque fois. Une, deux, et encore un morceau. Donc, vous voyez, c'est quasiment trois pages complètes. Donc, il faut aimer ça, aimer lire. Et après, vous pouvez travailler aussi avec les cartes. Parce que justement, que ressentez-vous? Et vous pouvez le prendre comme ça, cet oracle. Vous avez... un message sur la carte et vous avez l'illustration. Et vous pouvez très bien vous dire, bah, qu'est-ce que cette carte m'inspire? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Et l'utiliser comme ça. Vous voyez, soyez le chasseur, pas le chassé. C'est difficile à dire. On se croirait dans un chasseur sachant chasser. Oh, tiens, je m'aperçois que j'ai abîmé une carte. Et je ne savais pas. Je crois que j'essaie de la réparer. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Et j'aime beaucoup les messages qui sont proposés dans le livre, qui est justement d'être un rebelle, mais un rebelle sacré.
Donc, pas un rebelle à partir de l'ego, mais un rebelle par rapport vraiment en partant de l'âme. Voilà, il est très connu, hein, cet oracle. Je pense que ce n'est pas moi qui vous le fais découvrir. Ensuite, un gros coffret. Dans ceux qui restent, il y a des gros coffrets. Le voyage de Ritavan et ses 12 chats de Mira. Et Samuel Diane Gutenberg, qui est donc son mari. Donc c'est un couple qui crée les jeux. Je pense que Mira, elle a dû en créer aussi seule, mais elle en a créé plusieurs avec son mari. Donc le livre est une véritable guide. Il y a beaucoup de façons d'utiliser ce jeu. Donc, vous voyez, parce qu'il y a des manières pour des tirages, donc le vase au trésor, le collier de perles, le trésor perdu. Vous avez aussi, là, le gardien du trésor, mais vous avez, vous voyez, ça fait partie du royaume de Mercure, le bouquet des Gémeaux. Enfin, vous avez des tas de manières d'aborder ce jeu. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, ça a découragé. Et en réalité, vous n'avez pas d'obligation. Bon, alors... Je ne l'ai pas dans la pochette d'origine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'ai acheté, ce jeu, une première fois. Et je ne m'étais pas rendu compte, il avait été découpé. Et moi, je vous ai déjà dit, en fait, je n'aime pas. Et je l'ai racheté, donc dans sa version d'origine, complète, sans les bords découpés. Parce que j'aime beaucoup le dos et j'aime beaucoup la couleur, en fait, le contour. J'aime beaucoup. Je trouve que... Autant, vous voyez, il y en a qui trouvent que ça, c'est dommage parce que ça les empêche de se plonger dans l'illustration. Et autant, moi, quand je l'ai comparé avec des photos d'un jeu non découpé, et donc avoir cette espèce de... Je ne sais pas trop comment on peut l'appeler ici, elle paraît un peu plus rose la couleur, mais c'est un espèce de beige rosé, taupe, on va dire. Donc le contour ici. Moi je trouvais que cette couleur apportait quelque chose à l'oracle et donc je l'ai racheté, mais la première version que j'avais achetée était dans cette jolie pochette, vous voyez, donc comme ça tout doublé, donc il n'est pas une pochette normalement pour les oracles. J'ai trouvé qu'elle était tellement belle et qu'elle allait tellement bien avec le jeu, ce velours comme ça, que j'ai mis mon jeu dans la pochette du premier jeu que j'avais acheté. J'ai remis le petit pochon traditionnel avec l'autre jeu qui est découpé, que j'ai gardé parce que je pense que peut-être ma fille s'en servira un jour. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je l'ai gardé. Et donc, avec les magnifiques illustrations de Mira, je suis fan aussi de son travail, de ce qu'elle fait. C'est embêtant les reflets parce que je trouve que vous ne voyez pas bien... Vous voyez pas bien les illustrations, je trouve. C'est dommage. Parce qu'il vaut vraiment... Je trouve que ce jeu vaut la joie. Et oui, j'étais en train de vous expliquer qu'il n'y avait pas d'obligation parce que vous avez l'illustration déjà. Donc, dans l'illustration, vous allez déjà trouver des éléments de réponse. Il y a plein de choses qui peuvent vous parler. Vous avez quand même... un mot-clé ici, guérison. Et vous avez aussi un titre qui peut aussi vous donner des indications. Donc, si vous n'avez pas envie de lire le guidebook parce qu'il vous paraît trop compliqué, eh bien, vous pouvez l'utiliser comme ça, à l'intuition. Est-ce que c'est pas magnifique cette carte? L'arbre au joyau, bonheur. Ça vous donne déjà tellement de pistes de réponse que peu importe si vous ne vous servez pas du guidebook, et puis le jour où vous avez le temps, vous allez lire le message du guidebook. On peut aussi travailler avec les signes, de voir, tiens, quel est le... Parce que le bouquet du cancer, pour moi, je le prends un petit peu comme le cadeau. Donc, quel est le cadeau du cancer? Quel est le cadeau du poisson? Quel est le cadeau du capricorne? Du Sagittaire, par exemple, et peut-être aller voir quel est le cadeau de votre signe, et puis peut-être des personnes que vous côtoyez, ou alors vous pouvez le prendre en rapport avec la saison, hein, si on est dans la saison du Sagittaire, ou la saison du Capricorne, ou la saison du Poisson,
ou du cancer ou du lion. Vous pouvez aussi aller voir le message selon la saison. Ah, je trouve qu'il y a beaucoup de façons d'utiliser cet oracle qui sont relativement simples, en plus des façons proposées dans le guidebook. Si vous êtes découragé par les messages qui sont délivrés dans le livre et qui, oui, pour le coup, sont très longs à lire. Mais moi, j'ai jamais été découragée par les gros livres. Je me souviens que quand j'étais en secondaire, mes copines n'en revenaient pas, puis même les profs, ils n'en revenaient pas des bouquins que je choisissais de lire. Moi, on avait des listes, et on pouvait choisir dans ces listes-là. Moi, je prenais toujours les bouquins avec 600 pages, en fait. Peut-être le remettre un peu plus bas, même, pour vous montrer les cartes. Et donc, je ne suis pas du tout effrayée par le bouquin qui est avec ce jeu. Donc, j'ai l'oracle quantique, à ne pas confondre avec l'oracle du quantique, de Richard Gandon. Un outil d'ouverture à la conscience multidimensionnelle. Je vous avoue, franchement, je ne m'en suis pas beaucoup servie. Je l'ai acheté, il doit y avoir 3-4 ans celui-là. Je pense qu'il venait de sortir. On a un dos comme ceci. Donc les cartes, vous voyez, elles sont carrées avec par contre pas des coins piquants. Et donc nous avons tous des symboles genre mandala dessus. Et je l'avais acheté parce que... je travaillais beaucoup justement un petit peu sur le quantique à ce moment-là. Après, je suis revenue aussi à la guérison. Ne vous inquiétez pas pour le bruit, c'est juste mon fauteuil en fait. À la guérison des blessures. Je suis revenue aussi aux accords Toltec. Enfin, voilà. Et je l'ai un peu moins utilisé, mais je pense qu'il est quand même intéressant. Je n'ai pas envie de m'en défaire. Il faudra que je me replonge dedans. En fait, j'ai acheté à une époque où j'avais pas beaucoup de temps. Et j'ai jamais eu le temps de me replonger dedans. Parce que au moment où j'ai commencé à avoir un peu plus de temps, en fait, j'avais acheté d'autres jeux. Donc, je me suis un petit peu penchée sur les autres jeux plutôt que celui-là. Donc, je ne l'ai clairement pas acheté pour les illustrations. Non, c'est aussi une des cartes. En fait, le dos est une des cartes. Je ne l'ai clairement pas acheté pour les illustrations, mais plutôt pour le travail qu'il propose dans le guidebook. Mais je ne pourrais trop vous le détailler parce que je n'ai pas travaillé. Par contre, voilà. Il propose une nouvelle façon de voir le monde. Il ouvre l'esprit sur une conscience plus globale, plus éclairée. Il permet de décrypter les schémas de vie, des interactions avec l'environnement, les rapports entre les forces et les énergies qui façonnent la destinée de toute chose. Donc voilà, vous voyez, je l'ai acheté parce que il était vraiment présenté pour ça, en offrant la possibilité de travailler, d'analyser la sphère quantique dans laquelle on évolue. Voilà, donc c'est vraiment un oracle qui nous propose déjà un voyage initiatique et puis qui nous propose vraiment d'utiliser la physique quantique en fait, de travailler sur du coup aussi sur la loi d'attraction, la loi de résonance, vous voyez des phrases clés. Il faut absolument que je le ressorte et que je le travaille. Je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à m'apporter. Je pense qu'il est vraiment très, très, très intéressant. Et on ne voit pas beaucoup. Je pense que c'est peut-être à cause des illustrations qui ne sont pas... voilà. Ce n'est pas mon genre d'illustration favori, ça je ne vous le cache pas. Mais je le trouve quand même très intéressant. Et il mériterait d'être peut-être plus connu pour le travail qu'il propose. Alors, ensuite... j'ai l'oracle de la sagesse soufie de Rasouli. Donc, guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. Et donc, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup ce que propose Rasouli. Et notamment au niveau des illustrations. Donc, il en a illustré plusieurs et celui-ci, il a tout fait lui-même. Il a fait aussi les textes.
Et ça, c'est aussi un genre artistique que j'aime beaucoup. Et rien que de me plonger dans les illustrations, franchement, ça me fait un bien fou. Et vous avez néanmoins un guidebook pour aller plus loin, si vous le voulez. Bon, je crois que je l'ai redescendu un peu trop. Je vais remonter un tout petit peu, voilà. Et donc, vous avez quand même le guidebook avec un petit message, une petite citation, le message développé. Et puis, vous avez la reproduction en noir et blanc. Et vous avez encore un petit message supplémentaire après et un mantra. Vous voyez, c'est très, très, très complet. Très, très complet, ce guidebook. Et vraiment très bien fait. Et puis, bah, avec les illustrations de Rassouli qui sont quand même. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Regardez celle-là. Elle est magnifique. Vraiment. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. C'est beau. C'est très très beau. Alors, bah, c'est bien parce qu'on va enchaîner avec un jeu qui s'appelle justement Le pouvoir de l'amour, qui est un jeu que j'ai acheté aussi par. Il fait partie aussi des premiers jeux que j'ai achetés, de James Van Praagh. Et qui a donc co-édité Message du paradis avec Doreen Virtue, que je vous ai montré dans une autre vidéo. Je pense que c'est un médium, si je ne me trompe. Ouais, c'est ça, je pense. La voix du monde spirituel. Voilà. Donc, un petit guidebook en noir et blanc avec la reproduction de la carte en noir et blanc. J'aurais même mis. J'aurais remis un petit message supplémentaire, je ne sais plus à propos de quoi. Très bizarre ça. Donc, aux éditions Exergue, le dos est comme ceci. Il est joli. Et les cartes, par contre, c'est vraiment des cartes messages. Donc, vous n'allez pas retrouver. Je lui reproche un petit peu que. Voilà. Vous voyez, celle-là, toutes les illustrations sont les mêmes. C'est dommage. Ils auraient pu. Au moins faire des illustrations différentes sur chaque carte et vous avez juste le petit message sur la carte. Mais néanmoins, j'aime les messages qu'il délivre. Voilà, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Et donc, je résonne, j'ai une résonance avec les messages de ce jeu. Raison pour laquelle. Je le garde. Mais ce n'est pas non plus mon préféré. Je ne cache pas. Si je devais me défaire d'un, je me déférerais de celui-là et pas de celui sur la Lémurie, par exemple, que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Alors, un autre sont les accords Toltec de Don Miguel Ruiz et illustré donc par Janet Mills. Je vous en ai montré un autre dans une autre vidéo. Ce sont des jeux que j'aime beaucoup, par contre. Donc, une petite carte de présentation et toujours la même chose. Vous avez l'illustration d'un côté avec un petit message et le développement du message au dos. Donc, il y en a qui sont plus développés, je pense. Non, pas nécessairement. Sur celui-ci, en fait, les messages sont un peu plus courts, en fait. Voilà, regardez. Les messages ne sont pas très très longs, celui-ci. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Puis j'aime beaucoup cette philosophie des accords Toltec. Je trouve qu'on peut toujours se raccrocher à un accord Toltec dans toutes les situations que l'on vit. On peut toujours se raccrocher à un accord Toltec pour nous guider si on ne sait plus trop quoi faire. Voilà. Donc, il est basé sur les quatre accords et il est basé aussi sur La voie de la connaissance, donc, qui est un des livres que Don Miguel Ruiz a écrit aussi. Mais comme je le disais dans l'autre vidéo, je vous ferai une ou deux vidéos spéciales accords Toltec. Je verrai peut-être que je le ferai en deux fois pour ne pas que ce soit trop long, mais je ne sais pas encore. Et on va encore en prendre petit pour terminer. Donc, les cartes divinatoires des saints et des anges, donc toujours de Doreen Virtue, et qui est un jeu que j'ai acheté relativement récemment, celui-là. Donc, il fait partie de mes derniers achats de Doreen Virtue. Donc, je vous ai expliqué que j'en ai racheté quelques-uns
avant qu'ils ne soient plus édités et qu'on les trouve à des prix très très élevés, alors que ce sont des jeux qui coûtent, bah voilà, on voit même pas le prix, mais bon, allez, ils sont une vingtaine d'euros, quoi, une bonne vingtaine d'euros. Et donc celui-là, il m'avait plu à la fois pour avoir certains seins, parce que vous voyez, donc pour avoir l'énergie de certains seins et pour certaines illustrations, parce qu'encore une fois, vous avez l'origine des peintures dans le petit guidebook, et je trouve que voilà, c'est joli. Ce sont des peintures. Et donc, elles ont leur côté artistique qui est à un côté humain, qui n'est pas, donc, ce ne sont pas des images numériques. Je pense que, bon, je vais vérifier parce que je suis en train de me dire. Donc, on a le dos comme ceci qui fait un peu vintage, qui n'est pas humain. Je regarde parce que je me demande, non, c'est bien juste, je ne vous disais pas de bêtises, on a bien à la fin l'origine des illustrations, et on peut même les commander, mais bon, je ne sais pas si elles sont encore toutes disponibles du coup, mais en tout cas, vous avez l'origine des illustrations de ce jeu, et ça, je trouve que c'est très bien. Voilà, on va terminer avec celui-là. Donc, qui est les cartes divinatoires des saints et des anges, mais qui ne sont pas des cartes pour faire vraiment, vraiment, vraiment du divinatoire. Vous pouvez, mais c'est nettement plus un jeu de guidance et de développement personnel et spirituel. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye, bye!